Petite vidéo pour vous présenter la prise connectée de la marque Gozund. Donc cette prise connectée, franchement, elle est pas chère, elle est vendue sur Amazon. Voilà, donc je vous mets les liens dans la description. Sachez que cette prise connectée est vendue dans une petite boîte sympathique, voilà, très minimaliste au niveau du design, peu d'informations, juste le nécessaire. On a quelques infos sur les fonctionnalités et on a bien sûr les informations légales concernant la partie technique, la partie de l'électricité, donc la tension, voilà, en sortie, que ce soit USB ou les prises. Voilà, pas mal d'informations utiles et aussi les systèmes requis minimum pour pouvoir utiliser cette prise. Si on s'intéresse un peu plus en détail, donc bien sûr, elle est vendue avec une petite notice d'information. On va s'intéresser plus en détail à cette prise connectée. On a bien sûr trois prises et appréciable 3 USB. Donc bien sûr, on a un bouton, le bouton de démarrage, on a un bouton pour chaque prise. Vraiment intéressant et ça permet justement d'avoir des prises connectées et de pouvoir connecter différemment l'une de l'autre avec l'application Gozund. Donc on a bien sûr, voilà, les informations à l'arrière. Et si on reprend justement les fonctionnalités de cette prise connectée, en tout cas de cette, donc on en a trois. Et au niveau des fonctionnalités, la première, c'est que vous allez pouvoir utiliser par exemple un minuteur et pouvoir configurer l'une différemment de l'autre et pouvoir justement par exemple dire je veux que vous arrêtez le courant qui circule en tout cas dans celle de droite mais pas celle de gauche. Donc c'est vraiment sympathique de pouvoir configurer l'une sans dépendre de l'autre, indépendamment des autres. On a la possibilité de suivre via l'application Gozund la partie consommation, donc combien consomme celle-ci, par exemple, comparée à celle-ci. On peut jouer des scénarios compatibles avec Google Home et Amazon Echo, donc vraiment une prise connectée qui a les principales fonctionnalités qu'on souhaite avoir. Vous voyez qu'on est sur un câble vraiment sympathique, donc on a la terre dessus, voilà, donc ce qui est légalement obligatoire. Et voilà les petits caches très appréciables. Voilà. Et bien sûr, cette prise connectée, vous pouvez l'accrocher puisque vous avez ici, voilà, et de l'autre côté. Voilà, donc c'était une petite présentation de cette prise connectée, en tout cas. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je mets les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis, bien sûr, ce produit est disponible sur Amazon.